Bonjour, c'est Elodie du site Elgren. Aujourd'hui, je souhaitais te parler de tolérance. De tolérance envers les autres parents, envers des parents qui ont fait des choix différents. Puisque nous sommes ici sur une chaîne de bienveillance, il me semblait important de parler de ce thème, de ce qu'est la thématique de la bienveillance et donc de la tolérance, forcément, puisque pour moi, c'est étroitement lié. On ne peut clairement pas demander aux gens d'être bienveillants et donc d'être tolérants envers nos propres choix, bien qu'ils soient atypiques, si on a du mal à l'être avec les autres. Déjà parce que chacun son chemin. Souvent, avant de prendre soi-même des décisions un peu atypiques, on a été souvent dans la norme, conformé dans le moule. Et on a petit à petit évolué sur notre chemin. Donc je trouve que c'est important d'être tolérant envers des personnes qui n'ont pas encore fait ce même chemin, et même au-delà de ça, de se dire que peut-être que le chemin que nous avons nous-mêmes emprunté n'est pas le meilleur, n'est pas forcément le seul et unique bon chemin. En effet, ça demande une certaine humilité, mais ça demande également un certain respect des autres. Je parle de cette thématique pourquoi? Parce que souvent, j'ai la sensation que pour les personnes, c'est ou tout noir ou tout blanc. Alors il y a de grandes thématiques comme ça qui font de très très grands débats et qui violentent, qui nous prennent aux tripes parce qu'on a forcément envie de dire que le choix qu'on a fait pour nos enfants, et en particulier pour les enfants puisque c'est un sujet forcément qui nous touche, est le meilleur parce que sinon ça voudrait dire qu'on n'est pas un bon parent. Alors je voudrais vraiment faire cette vidéo pour amener à réfléchir sur cette thématique, sur le fait de se dire qu'il n'y a pas forcément de bons ou mauvais parents, sauf si bien sûr on pousse dans les extrêmes, mais qu'en règle générale, un parent qui se questionne, un parent qui se remet en question, un parent qui se renseigne, est un bon parent. Parce que il y a des sujets forcément où on va se renseigner, d'autres où on n'y est pas encore, et qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Alors voilà, il y a des sujets un petit peu comme ça, tendus. Notamment le choix de l'allaitement. Alors, il y avait un petit dessin, si je le retrouve, je te le mettrai, de Lise Weiner, que j'avais beaucoup aimé. Et je crois que c'était une dame qui disait « Et sinon, votre enfant, vous nourrissez. » C'était une question, effectivement, et du coup, elle le tourne à l'ironie, parce qu'en disant que forcément qu'on nourrit notre enfant, de toute façon, qu'on allait ou pas, on va pas le laisser mourir de faim. Il y a aussi la question du cododo, il y a aussi la question de l'alimentation au sens large. Et je voudrais revenir sur ce point aussi, plus particulièrement, suite à un article que j'ai mis sur la page Elegren sur Facebook, qui expliquait qu'effectivement, qui voulait arrêter sur les idées reçues, comme quoi, les parents qui donnaient de la malbouffe, entre guillemets, donc du fast-food, du sucre, du gras, du sel, enfin voilà, et on disait malbouffe, mauvais parents, et ceux qui aimaient vraiment leurs enfants, qui voulaient prendre soin de leurs enfants, leur offraient une alimentation totalement équilibrée. Et du coup, ça culpabilisait forcément les parents qui ne pouvaient pas, qui ne voulaient pas donner que des aliments bons pour la santé. Alors c'est un article intéressant parce que c'est une véritable étude scientifique, sociologique, qui a été faite depuis 2015, alors aux États-Unis notamment. Pourquoi? Parce que, on avait tendance à se dire, et encore dans la tête des gens, de se dire que, qu'il y avait des grandes catégories, tu sais bien, en France on a beaucoup les étiquettes. En gros, si tu donnes des frites à ton enfant, si t'es que les frites ou d'autres choses, qu'importe, fast-food ou soda, tout ce qui est étiqueté, mauvais pour la santé, soit c'est que tu n'es pas au courant, donc tu es un parent ignorant, tu es bête, tu sais pas que c'est mauvais pour la santé, voilà. Soit c'est que, malheureusement, tu es très 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 pauvre et que dans ta grande pauvreté et donc dans ton ignorance également, tu mets l'argent sur des choses mauvaises pour la santé. Voilà, donc tu vois déjà les belles étiquettes, les belles idées aussi. Ou bien, ce que t'aimes pas tes enfants. C'est que tu t'en fous, c'est que t'en as rien à faire de leur santé, qu'ils aient un cancer ou non, enfin voilà. Donc forcément, c'est hyper culpabilisant. Et du coup, cette étude est intéressante parce que elle s'est bien rendue compte que toutes ces étiquettes ne servent vraiment à rien, ou bien dans la vraiment minorité des cas, qu'effectivement il y a des gens qui ne savent pas forcément certaines choses ou qui n'arrivent pas à faire de bons choix par rapport à leurs finances. Parce qu'après, alors c'est un petit peu différent, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, dans certaines, pas partout, mais dans certaines villes, effectivement, l'accès aux fruits et aux légumes, il faut faire des milliers, plusieurs centaines de kilomètres pour y accéder, tandis que le fast-food c'est juste à côté, on est sur une autre thématique.
En tout cas, cette étude se veut effectivement intéressante parce qu'elle met encore une fois en valeur le fait que l'alimentation, c'est quand même dans nos sociétés voilà, industrialisées, modernes, où l'alimentation, on ne vit pas pour s'alimenter, hein, c'est-à-dire que voilà, on passe pas toute sa journée à chercher de la nourriture et à cuisiner, hein, contrairement à certains pays, eh bien, elle prend une place totalement différente. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de ce qu'on mange en fait au quotidien, ne nous sert pas forcément juste pour vivre. C'est-à-dire qu'on mange aussi par plaisir et pour plein d'autres choses en fait. La nourriture prend une place totalement différente et ça, il faut bien le prendre en compte lorsqu'on parle de nourriture et aussi d'alimentation dans la famille. Il y a aussi une grande part émotionnelle dans la nourriture. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve de mauvaise foi pour ne pas l'admettre. Pour certaines personnes, c'est évident que non, c'est sûr. Mais pour la majorité, on se rend bien compte que lorsque l'on se sent pas bien, que ça soit de la fatigue, un petit coup de déprime, qu'importe, eh bien on aura cette tendance naturelle à aller sur des produits qu'on va appeler des produits réconfort, le comfort food. Hein, et en règle générale, c'est du sucré, mais ça peut être aussi du salé ou des plats de notre enfance, voilà, qui nous rappellent une certaine nostalgie. En tout cas, des saveurs qui nous font du bien. Pourquoi ? Parce que la nourriture, finalement, elle va créer une shoot de dopamine, en fait, naturelle, qui va nous donner un bien-être de suite. Et que, dans nos sociétés, c'est accessible assez facilement, finalement. Donc, si on a eu une mauvaise journée, ou si, effectivement, on fait face à certaines difficultés, eh bien, c'est un plaisir assez immédiat, qui nous coûte, finalement, pas grand-chose, parce que, bah, effectivement, pour 1 ou 2 euros, tu peux avoir une barre de chocolat, ou un paquet de chips, ou que sais-je encore. Et du coup, ça va forcément avoir, et c'est scientifiquement prouvé, dans ton cerveau et dans ton corps, ça va libérer des certaines sensations agréables. Donc, il y a clairement une dérive sur ça, mais pourquoi ça serait une dérive négative? Et c'est là où le questionnement, on y arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait comme on peut. Hein, et j'imagine bien que dans certaines situations familiales, quand c'est compliqué le quotidien, la nourriture qu'on va offrir à nos enfants, le plat sucré ou le gâteau, le paquet de chips que l'on va s'ouvrir voilà, en apéro à toute la famille, tout ça, eh bien ça va être un moment finalement comme un cadeau qu'on s'offre, comme une récompense, comme quelque chose qui va nous faire du bien. Alors ça ne règle pas le souci, bien évidemment, ça veut dire qu'il y a un problème par ailleurs et que finalement ce n'est qu'un symptôme de mal-être, on est d'accord. Sauf qu'en attendant, au lieu de juger les personnes qui font ce qu'ils peuvent et qui essayent de trouver une solution, au lieu de les juger et voilà, de les culpabiliser, d'avoir trouvé quelque chose de rapide et qui va les soulager à l'instant T, eh bien, je pense qu'il vaut mieux justement les aider, les questionner, les accompagner sur une réflexion de qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Parce que la culpabilité n'a jamais fait changer les choses. Ce n'est absolument pas bienveillant. Et qui plus est, ça rajoute finalement une sensation négative. En règle générale, c'est lié aussi à l'estime de soi. Et on sait tous que du coup, bah, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc là, c'était juste un exemple au niveau de l'alimentation. Mais sinon, il y a plein d'autres exemples. Si on reprend l'exemple de l'allaitement notamment, eh bien déjà, c'est un choix d'allaiter ou non. Bien évidemment, je pense que toute mère qui accouche maintenant le sait que l'allaitement est meilleur l'enfant, c'est sûr. Après, il faut s'interroger de pourquoi elle n'allaite pas, pourquoi elle n'allaite plus. Il y a clairement des personnes, j'en ai vraiment rencontré quand même pas mal, pour qui le sein, lié effectivement à la culture hein, qui domine encore une fois, le sein n'a vraiment qu'une image très sexualisée et pas nourricière. Et ça, ça prend du temps aussi, hein, voilà, dans la tête, de voir les choses autrement. Et je pense que c'est pas en culpabilisant encore une fois les mères, en leur donnant des messages très négatifs sur elles-mêmes, sur le choix qu'elles font à leurs enfants, qu'on va semer des graines de bienveillance, qu'on va semer finalement le message. Au contraire, on va renforcer quelque chose de négatif. Ça a été démontré ça en psychologie sociale, qu'on renforce finalement l'idée négative et qu'au contraire, au lieu de faire avancer, eh bien on bloque la situation. On le voit également dans le véganisme. C'est vrai que ben, nous, quand on nous demande voilà, des renseignements sur le véganisme, on se rend bien compte que si ben, je critique l'autre,
que j'essaie de le faire culpabiliser sur ses choix, de manger les animaux, tout ça, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas forcément faire avancer le débat en fait. Au départ, la personne, elle va se sentir jugée, elle va se sentir violentée, elle va se sentir culpabilisée, bref, elle va se sentir critiquée et elle aura pas envie de me parler. Et c'est bien normal. Moi, si j'ai un sujet sur lequel je n'ai pas encore avancé, que j'en suis pas là ou parce que j'en ai pas envie, eh bien, je vais me sentir violentée si l'autre, elle n'arrête pas de me culpabiliser, elle essaye de... Voilà, elle va argument sur argument, et elle n'essaye pas de m'écouter, de savoir là où j'en suis au jour d'aujourd'hui, finalement, de mon propre chemin. Donc, comme tu l'as compris, bah, c'était important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je trouve qu'il faut vraiment arrêter de culpabiliser les uns et les autres de leur choix. Autant leur demander pourquoi, en fait. Très simplement, alors ça peut paraître bête et naïf, mais finalement on en est là. Au jour d'aujourd'hui, demandons juste pourquoi et demandons-leur, mais sans les accuser de quelque chose, en disant quel a été finalement ton chemin de réflexion, tout simplement. Parce que peut-être qu'il y a toute une histoire derrière, une histoire peut-être même très douloureuse. Et qui en est-nous pour juger? C'est vrai, qui sommes-nous tous pour juger? Donc, Elle est Graine est avant tout une chaîne de bienveillance et c'est vraiment un message, moi, que je souhaite, égrainer partout. Encore une fois, ça peut ne pas plaire. J'invite ceux à qui ça ne plaît pas de quitter la chaîne, tout simplement. Et j'invite les gens à qui ça parle et qui pensent que ça peut aider à partager, finalement, ce genre de vidéos, les podcasts, les articles, que ce soit d'Elle Graine ou d'autres sites, parce que, eh bien, j'aime à croire qu'avec beaucoup de bienveillance, on peut changer petit à petit le monde, en fait, amener à plus de gentillesse, à plus de tolérance et du coup à plus de paix dans ce monde. Voilà, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être très très longue et comme tu vois, j'ai pas fait de coupure, donc je pense que ça peut encore durer très très longtemps. Donc sur ce, avec toute ma bienveillance, je te souhaite une très très jolie journée.